c'est beau. Bah, il n'y a rien du tout. Et du coup, c'est pas mal pour nous d'avoir ça. Ben oui. Cette station-là. Parce que vous n'avez pas de terrain ici qui le. Bah, si, on a aussi, on a un baromètre ici. Mais ça permet aussi d'avoir toi des graphiques aussi. On a un autre baromètre enregistré dans le carré là où on mange. Okay. Sur un rouleau de papier là, je le salue. Ça, c'est pas mal. Il y a beaucoup de capteurs de température d'air, c'est plus précis et on a la possibilité d'avoir tous les graphiques. Ça, ça nous aide pas mal. Ok. Quand on va faire nos cars, comment ça fonctionne en fait? On est ici avec la personne de l'équipage? On est deux cars. Ouais. Et comme on te disait, l'objectif, c'est d'être présent pour pouvoir surveiller aussi ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe à bord. Ouais. Et de réagir vite si jamais il y a quelque chose. Ok. Et donc, on met un marin parce que forcément, en tant que marin marchand, pour un marin professionnel à faire le car, secondé d'un scientifique, comme ça, ça nous permet de, si on doit descendre en machine, faire une grande machine. Et si vous descendez sur une grande machine, là on est sur le pilote automatique. Voilà. Okay. Voilà. C'est lui qui gère la direction. Si je lui mets plus 1, il va pouvoir mettre plus 1 degré à tribord, etc. Tu prends jamais la roue manuellement? Si tu peux, si tu veux. Vas-y. Bon courage. Voilà. Je pense c'est grand, toujours sur le bout des pieds. Ah, tu visites une montagne, c'est bon. C'est bon. Je fais rien, je fais rien. On verra. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je remets en automatique pendant ton quart, tu pourras jouer. Mais en fait, Tara, on sent rien du tout parce que c'est super lourd. Ah. Donc, c'est pour ça qu'on est en pilote automatique. Lui, il gère mieux que toi et ça te permet d'être disponible pour autre chose. Regardez ce qui se passe dehors. Hein.